Jungle Music. C'est reparti pour un nouveau Visite Mon Van. On est avec David en Bretagne. Et j'avais envie de vous dire les 5 choses qu'il me reste à installer dans Polo. C'est parti! Et donc c'est parti pour les 5 choses importantes qu'il me reste à faire dans ce van. La première chose, c'est peut-être la plus importante, car comme le disait David... Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un évier, par contre, il n'a pas fini d'aménager l'eau. Donc oui, le système d'eau, c'est prévu, actuellement je pourrais le faire, mais en fait je risquerais d'utiliser une cuve d'eau sale à moitié, du coup je trouve ça un peu stupide. Donc l'idée c'est d'aller voir directement chez le fabricant pour pouvoir avoir une cuve correct, bien dimensionné et ainsi avoir un système d'eau fonctionnel. J'espère normalement faire ça la semaine prochaine, donc pouvoir vous le montrer dans le Visite Mon Van numéro 13. La deuxième chose qui me reste à faire, assez importante, et je pense que ça va apporter énormément de confort à ce van, c'est les deux sièges avant pivotants. En gros, pour l'instant, j'ai un siège avant et une banquette de place et je vais remplacer la banquette par un seul siège et les deux vont pouvoir pivoter, ce qui fait que je vais avoir un vrai salon avec 3 places assises et je pense que ce sera très très agréable d'avoir ça. Et couplé au troisième point, ça va être super dès lorsqu'il pleura, parce que je n'oublie pas que je suis souvent en Bretagne. Et donc oui, le troisième point, c'est d'installer des petites gouttières le long de la porte coulissante et également un tarp. Mais un tarp, c'est quoi? Ça s'installe comment? Eh bien, je vous montre ça maintenant. Installe le tarp pile au moment où on l'installe, il pleut en fait. Parce qu'à quoi ça sert le tarp? Ça sert à avoir comme un auvent au-dessus du camion, donc à l'entrée, pour avoir un espace sec à l'entrée du camion, pouvoir poser les chaussures, poser la table, et être quand même à l'extérieur et avoir un peu plus d'espace à côté de cette maison en fait. Et du coup, ce qui est bien, c'est que non seulement là, actuellement, ça nous protège de la pluie, mais en d'autres circonstances, ça nous protégera de l'ombre et ce sera super agréable. Numéro 4. Alors numéro 4, je sais pas trop encore comment ni où je vais l'installer, mais je pense que ce serait pas mal d'avoir des toilettes ici. Donc voilà, pour l'instant on utilise une très bonne application dont je parlerai un jour qui permet de trouver des toilettes publiques, mais bon, c'est bien de façon ponctuelle, mais si vraiment un jour je veux partir en road trip pendant longtemps, je pense que ce sera bien d'avoir des toilettes sûrement sèche dans ce van. Donc je sais pas exactement comment elles seront, mais c'est une chose que j'ai à faire, que je ne ferai pas très rapidement, mais c'est une chose que j'envisage de faire et que je pense faire assez rapidement. Et enfin le numéro 5, je sais plus ce que c'est, je vais regarder. Ah oui, le numéro 5 est pas hyper important, mais c'est un truc que je vais faire assez rapidement parce que c'est tout con. Avec mon onduleur hybride, en fait j'ai l'option de pouvoir me brancher en 220 extérieur. Et donc pour l'instant je l'ai pas fait parce que je suis entièrement autonome avec les panneaux solaires et c'est très bien comme ça. Mais je me dis que ce serait stupide de me priver de cette option de pouvoir avoir une prise extérieure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais câbler cette prise parce qu'elle n'est pour l'instant pas câblée. Donc je vais la câbler afin de pouvoir potentiellement, grâce à une rallonge, me brancher sur une prise 220 afin de recharger mes batteries et d'alimenter mon système électrique. Donc voilà, c'est un truc que je vais faire incessamment sous peu et qui va apporter peut-être un peu plus de confort, notamment l'hiver. Par exemple, je pourrais cuisiner avec mes plaques sans vraiment me dire « Ok, il faut que je fasse gaffe à ce que ça recharge bien avec les panneaux derrière. » Ou alors, si je me fais à manger le soir, et ben, je fais bien attention à l'état de mes batteries. Donc voilà, ce sera un peu, entre guillemets, une sécurité, un confort, même si je pense que je n'en ai pas forcément besoin. Mais ça apportera du confort à cette vie un peu nomade. Thank you.
c'était les 5 points importants qui me restent à faire dans Polo. Bien évidemment, il me reste plein d'autres, il me reste plein de petites finitions, de petits arréglements dans le camion qui viennent au fil du temps. Voilà, j'en ai déjà décelé quelques-uns en y vivant ici depuis maintenant depuis deux semaines l'aménagement. Donc voilà, c'est des choses que je vais faire au fur et à mesure de ma vie là-dedans. Et voilà, et bien évidemment, toute remarque, tout conseil, toute idée est bonne à prendre. Je les prends toutes, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées pour ce beau polo. Et puis comme d'habitude, likez cette vidéo si c'est le cas. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à la semaine prochaine pour un nouveau Visite Mon Van. Que les vaya bien. We'll be right back.